Ce n'est pas possible. Il n'y a que les intérêts individualistes qui dominent sur les intérêts de la patrie. Vous ne pouvez pas imaginer que la politisation que nous avons connue en 2011, afin qu'aujourd'hui nous ayons véritablement une méfiance, une tension entre la classe politique qui ne permet pas notre pays d'avancer. Et en croyant pouvoir résoudre le problème, on revient à la case de départ. Écoutez, qu'est-ce qu'on recherche au niveau de la CENI? Je vous ai toujours donné l'exemple, par exemple, de Guinée-Conakry. Lorsque la classe politique ne s'entendait pas autour d'une personnalité, parce que l'idée c'est de construire la transparence, l'idée c'est construire la confiance entre les uns et les autres, mais ils ont tout fait pour aller au Mali où il y avait un général à la retraite spécialisé des questions électorales, et des consensus, des communs accords, la classe politique guinéenne avait accepté que ce général à la retraite vienne présider la commission électorale nationale. Et c'est ce qui a été fait. On n'a pas vu autant de personnes pour la majorité, autant de personnes pour l'opposition. Je vous donne juste l'exemple de la Côte d'Ivoire. Un effort aussi a été fait par Laurent Gbagbo. Lorsqu'il accepta que la commission électorale indépendante soit présidée par l'opposition, il voulait rassurer la nécessité d'une transparence dans la classe politique. Il dit, comme je suis président, et comme il est président de la Cour suprême de la justice, est mon proche, il est important que la CENI soit dirigée par l'opposition. Ce qui a été fait n'est été l'intervention de puissances d'argent, etc., qui visiblement manipule à longueur de journée nos politiques et nos intérêts, etc. Voilà. Donc, lorsque on est dans un pays comme le Congo, où on est dans une situation très dramatique en termes de pauvreté, je crois qu'il doit y avoir un sursaut d'orgueil dans les chefs de la classe politique pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver la République. Alors maintenant, pour sauver la République, il est important de dire construisons la transparence, construisons la confiance en donnant la responsabilité à la société civile. Et dans la société civile, il n'y a pas que des aventuriers. Parce que la classe politique qui visiblement a basé son action sur l'immoralité dans la corruption presque permanente, à la fois des acteurs politiques et des acteurs sociaux, pense qu'au sein de la société civile, il n'y a pas de personne. Voilà le degré d'immoralité. Et par rapport à cela, au sein de la société civile, c'est vrai que chacun doit avoir une opinion, ça c'est évident. Mais l'opinion ne peut pas écarter sa dignité. Et là, le pouvoir souhaiterait avoir plus clair, c'est-à-dire maîtriser l'ensemble d'acteurs dans la perspective de pouvoir imposer. Voilà, ici nous allons leur démontrer le degré d'immoralité parce que vous aviez évoqué le bureau de l'Assemblée nationale avec les composantes habilitées à envoyer les noms pour la composition de ce bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est sont entendus pour que chaque composante puisse au moins envoyer 3 noms par poste. Majorité, opposition, société civile. Au moment où nous parlons, le problème se pose. Que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la société civile. Nous voulons plus parler de la société civile parce que vous êtes de la société civile. Ou d'où plutôt sortira la présidence? Le problème se pose maintenant du côté de la société civile. D'où plutôt de quelle société civile proviendra le président de la Commission électorale nationale indépendante? Ça pose énormément de problèmes. Est-ce que c'est de la confession religieuse? Est-ce que c'est d'une autre aile de la société civile? Le problème se pose. Alors nous vous posons la question, est-ce qu'il faudrait-il qu'on ait essentiellement le président de la Commission électorale nationale indépendante qui sorte de la confession religieuse? J'ai trois choses. La première chose, c'est de dire que c'est anormal aujourd'hui. Lorsque vous lisez la loi sur la CENI, vous allez voir la répartition des rôles. Vous allez voir qu'il y a au moins 9 attributions qui sont données au vice-président de la CENI, plus que le président qui n'est qu'un modérateur simple. Les attributions politiques, juridiques, administratives relèvent de la compétence du vice-président qui est censé être dans la majorité, d'après les calculs qui ont été faits. C'est anormal. Deuxième chose, lorsqu'ils disent que le président doit venir de la société civile et ils insistent pour que ça devienne des confessions religieuses, je voudrais savoir, je n'ai jamais fait la théologie, je voudrais savoir si une confession religieuse suppose essentiellement les prêtres ou les pasteurs.
les laïcs qui ne sont pas concernés pour faire partie de ce qui représente une église. Moi là qui te parle, je ne suis pas chrétien. Je ne fais pas partie de l'église. Mon cher ami, regardez, visualisez, faites sortir le miroir, regardez toute la société, civile du Congo. Il faudrait que vous soyez peut-être mandaté par l'église à ce moment-là. Bien entendu. Alors, mais aujourd'hui, l'immoralité atteint tout le monde. Entre nous, s'il te plaît. Parce que j'entends les gens dire, écoutez, mais il faut être spécialiste des questions électorales. J'ai entendu même quelqu'un qui a été président. On propose d'ailleurs M. l'abbé Malou Malou. Oui, il a été président. Seulement parce qu'il a l'expérience. Écoutez, d'avoir organisé est-ce que vous connaissez un pays où Malou Malou a apporté son expérience et qui a organisé des élections de qualité? Lui qui a l'expertise, lui qui a l'expérience. Et quel est le degré de la qualité de performance des élections qu'il a organisées en 2006? Pourquoi lui a été contraint de partir? Pourquoi on a une mémoire très courte? On a dit non, il